Nous clamons la liberté du peuple de Guinée dans son intérieur. C'est non, c'est non. C'est non, c'est non. C'est non, c'est non. Je m'appelle Kondé Moussa. Le collectif, les acteurs pour une tradition de Sud a pesé et est pesé. Notre message est un message à rappeler à la souveraineté nationale, à notre dignité recouvrée. La République de Guinée est un État souverain. On ne peut pas nous imposer le type de négociation qui a jamais été le peuple de Guinée. Lors du coup d'État constitutionnel de mars 2020, nous avions vu que la CEDEAO a registré acte sans poser des actions en faveur du peuple. Aujourd'hui, sans un moyen, sans une stratégie, sans définir les questions, sans poser les conditions, on veut nous imposer un agenda de 6 mois afin que notre processus de démocratie soit bâclé. Nous ne l'accepterons pas. Nous sommes matures, nous sommes désormais qualifiés à parler et à donner notre voix. Le peuple de Guinée va tracer sa propre voie. La CEDEAO ne peut pas être plus guinéenne que le peuple de Guinée. Il faudrait que le message soit très clair. Et que les pressions qui sont mises sur la jeunesse sont des pressions qui sont mises sur tout le peuple de Guinée. Et nous appelons la jeunesse à respecter ses engagements sur les fondations de notre État et à poursuivre le processus de démocratie de notre pays. Et nous pensons que cela va être possible car avec tous. Il faut que les responsabilités soient situées sur les dérives passées et que les Guinéens intègrent. Accepte que tu sois choisi pour mener à bien cette démocratie. Le départ du cortège de la CEDEAO est sacré. Ce sont les corps diplomatiques finalement qui prennent la sortie. Mais la CEDEAO qui est huée par une foule immense aux abords
Direction, avant la CDAO. Se met pas du côté du peuple. Nous sommes du côté des chefs d'État. Nous clamons l'autodétermination du peuple de Guinée. Nous clamons la liberté du peuple de Guinée par l'intervention de notre transition. C'est bon,